Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est ici Cendron pour le cinquième épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Empires Complete Collection, acte 7. Donc, je vous avais essayé la dernière fois, on devait nous rendre sur les plages du Nord et récupérer notre équipage. D'accord, mais il fallait éviter de se faire repérer aussi. Donc là, il y a des trucs. On va poker le mob, voilà. On va récupérer un petit peu ce qu'il y a là. Alors, il semble, il faut éviter de se faire repérer un maximum. Par contre, il y a de la patrouille. Il y a de la patrouille, mais je dois pouvoir me cacher dans des grottes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, ils vont faire demi-tour, c'est ça? Non? Bon, ok, on va y aller. Bon, pas demi-tour. On va essayer de se décaler sur la grotte d'après. Ce que je suppose, voilà, c'est ça. Ça arrive au fur et à mesure. Nous, on va se décaler le temps qu'ils arrivent. En espérant qu'on se décale assez vite. Bon, s'ils sont que deux, ça va, mais voilà, c'est toujours un peu embêtant. On se casse, s'il vous plaît. Vous êtes lent. Oh, plus il y a des unités. Bonjour, capitaine. Quel plaisir de vous voir. Alors attendez, parce que là, il y en a encore qui arrivent. Dès qu'il passe, on passe nous. Ok, donc faut qu'on sorte de ces grottes assez vite. Sinon, ça va être vraiment relou. Allez. Vous êtes lent. Allez, à notre tour. On passe là-bas. Ensuite, on ira sur ces grottes-là. On tirera directos vers la droite. Alors, qui y a dedans? Encore des piquets. Merci mille fois, capitaine. Voilà. Nous n'aurions pas fait long feu sans vous. Donc, prochaine vague d'unités qui arrive. Allez. Merci. Ah là là, c'est un peu lent toujours ces trucs qui sont timés dans par le jeu. Allez. On avance, on va là-bas. Elles se traînent un peu mes unités aussi, hein. Boum, boum, boum. Wow. Not planned. D'accord. Boum! Qu'est-ce que vous me voulez? Nous sommes à vos ordres, capitaine. La petite grenade qui fait plaise. On va virer le cougar. Récupérer ça. Ils m'ont surpris à venir vachement vite là. Ah merde. Sorti trop vite. Ils m'ont surpris à sortir super vite. Oh, et puis voilà le retour de... Allez! Bon. Ils m'ont tué une unité, mais c'est pas très très grave. On en a encore pas mal. Donc, faut qu'on aille vers les plages au nord, mais c'est pas à côté quand même. Là, il y a un Shiva y village. contrôle le village d'indigènes. Continuons de suivre la vallée. Nous ne sommes pas de taille. D'accord. Expérience, on va pas trop chercher. Donc, là, y a quoi? Ok. Nous serons en sécurité ici, à condition de rester en mouvement. D'accord. On va avancer dans les grottes. Ah oui, d'accord. Et des gros grizzlies. Ça fait un peu mal. Alors. Là, ça va. Il y a plein de trucs à récupérer. Mais bon, si je veux garder un petit peu de santé de mes unités, je vais éviter de trop m'y frotter. Alors, je crois qu'on y arrive.
Ouais, on y arrive. Je vois de la lumière. Nous sommes enfin arrivés au bout. La lumière au bout du tunnel. Bon. Alors. Oui, des bâtiments. Il y a déjà des trucs de construit, c'est Jamais cool. été aussi heureux de sentir l'odeur de la mer. Allez, c'est parti, mon kiki. On a pas mal d'unités. Ah, c'est cool. Détruisez le centre-ville des mutins. Quoi, il y a deux centres-villes? Ok, c'est parti, on va pouvoir commencer à setup des trucs. On est parti, en plus on en a 4 des... Ah, mais genre 0 péon. J'ai rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Alors là, ça produit de la nourriture. Là, il y a quelques unités. Alors attendez, hop. J'ai remarqué des lueurs dorées dans ces cavernes. Nous devrions aller vérifier. Ok. Creuser les galeries de la grotte pour atteindre les mines. D'accord. On va peut-être pas trop s'y attarder. Déjà, il faut que je fasse masse unité de récolte. Parce que pour l'instant, c'est pas trop ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs villages, tout ça. Les villages, ensuite, une fois que j'en aurai 4-5, je me lancerai dans la... J'enverrai cette carte-là qui me permettrait d'avoir plein de villageois d'un coup, vu que chaque village et chaque centre-ville effectue un rassemblement d'un villageois. C'est toujours très pratique. Voilà. Alors, dépiquer, hop. On a une petite armée, ça suffira, je pense, s'il y a une attaque. Je regarde un peu, il me faudrait du bois, il me faudrait plein de trucs. C'est pas trop la joie. Ouais. On peut les envoyer au bois, histoire de pouvoir faire plusieurs villages. Là, ça récolte de la nourriture, donc le navire à trésor qui produit de la nourriture, ce qui est très bien. Toujours un petit avantage. Hop, il me faut plus de bois, s'il vous plaît. Ce que je vais faire à la limite, c'est que je vais couper la séquence. Une fois que j'ai lancé la production de 10-10 classiques, on vous retrouvera comme ça, ça ira mieux. Je pense que ça ira mieux, ça sera plus simple et ça durera moins longtemps. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Je vous retrouve dès que j'ai lancé correctement toutes les productions. Allez, à tout de suite. Ok, la production est quasiment lancée. Voilà, j'attends le dernier péon et on aura tout de lancé d'ailleurs. Vous voyez ma quantité de ressources est quand même assez élevée. Il y a des gens qui arrivent qui sont pokés. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je change d'âge. En idéal. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celui-là, vu qu'il n'est pas très utile tout le temps. Pouvoir produire des armées. Oh, c'est cool. Voilà, on va le mettre à côté. Ah, poké pas mes villageois, s'il vous plaît. Merde. Hop. Ok. Ok, on est bien. Ah zut, ils ont plus de quoi. Merde, 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 merde. Go, rentrez ici. D'accord, il m'attaque pile au moment d'ailleurs. Bon, dans le sens où bah c'est pile au moment où je reprends la capture. Bim. Ah, attendez. Ah, attendez, attendez. Il y en a 10. Vous êtes combien? Vous êtes... Ah, bah, d'accord. Il y en a un qui s'est échappé. Des pièces. Alors, hop. Ici, vous êtes 9, donc faut que j'en refasse un. Allez au bois.
D'ailleurs, allez plutôt au Hein, bois mon ici gars? si vous voulez pas vous faire attaquer par tout le monde. Donc, il faut aussi que je fasse des améliorations, des petites armées. Ah, j'ai pas assez de nourriture. Ça va? Je n'ai point Qu'est-ce qu'il y a, assez de Tommy? nourriture. Il va falloir que je fasse une cerisaie d'ailleurs. Donc, allez, hop, on va s'attaquer à ça. Donc, il va falloir faire des petites grosses armées là qui vont bien casser les fesses. Ça va être plutôt drôle. Voilà. Donc, les pièces. On est bon, c'est reparti. Il va me falloir pas mal de nourriture. Vraiment, même beaucoup de nourriture. Donc, on va attendre qu'on change d'âge. Le palais d'été va permettre de produire comment ça s'appelle? Des armées, voilà. En plus, il va me filer énormément de nourriture d'un coup. Si je me souviens bien. Alors, donc ça produit. On va produire des trucs un peu plus casse-pieds à produire. Ah, mais j'ai encore des baies ici. Ah, si, la nourriture est là. Les cajots de nourriture sont là. Hop, on va faire venir les armées ici. J'ai un peu peur qu'ils viennent me poquer mes unités là. Non, ça va, ils font rien. On est plutôt bien. Donc, amélioration de tout ça. Toc. Améliorer les unités. Alors, centre-ville, on s'en fiche. Bam. Je t'en fais venir masse. D'un coup. D'ailleurs, les villages ont plus de points de vie et peuvent accueillir plus d'unités, c'est bien. Hop, il manque encore un petit peu de nourriture. Produisez pas assez vite. Vous êtes lent. Ok. Donc, dès qu'on aura deux petites armées bien solides, on va pouvoir attaquer. Surtout quand on les aura améliorées, même si j'aimerais bien les améliorer à l'âge 4, mais ça m'étonnerait qu'on ait assez de nourriture. Quoi, 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 quoi. D'accord, en fait, je suis juste à côté du château. C'est my bad. My badounet. Donc là, il y a plein d'unités qui arrivent, c'est cool. On va garder une carte au cas où. C'est plutôt lent la production des armées, j'ai l'impression. Wow. C'est fait défoncer. Alors, est-ce que la rizière, je la mets maintenant ou pas? Parce que de toute façon, il reste encore des. Non, il reste encore des buissons, ça devrait aller. Oula! Shit. J'avais pas vu que. Je m'attaquais un peu beaucoup là. Bim! Faut brûler les lance-flammes. Il s'est fait cramer. Alors attendez, parce que là on a un peu attaqué en mode YOLO. Il faudrait que je puisse regrouper. Alors, attendez. Ah. Trop d'unités, trop d'unités. Ce qu'on va faire. Contrôle 1, voilà. Contrôle 2 pour vous. Contrôle 2, hop. Ça devrait aller. Faut pas trop que je m'avance. C'est ça le truc. Si je m'avance, ça va être vite la cata. Non? Non? Putain, le con. C'est toi qui ça. Ah. Ok. Là, ça devrait aller. Juste pas assez de nourriture. Bon, c'est pas très très grave, ça va arriver vite. On va essayer d'attaquer avec ça. On va essayer d'attaquer gentiment avec ça.
On va garder ça en réserve. Allez, boum! Fais-moi une petite explosion, voilà! Wow. Quelques unités. Je vais faire venir le groupe 2. Alors. Groupe 2, attaquez-moi. Tout ça, le groupe 1, attaquez-moi ça. Rentrez chez vous, capitaine Huan. Vous êtes trop lâche pour mener votre tâche à bien. Alors. Voilà. Vraiment défoncer tout ça. Mais il y a tellement d'unités. Oh. Ça va bien en 2 secondes. Surtout qu'on n'a pas des masses d'unités de siège. Hein. Zut. Alors. On défonce tous les villageois, histoire qu'ils aient plus assez de ressources. Ah la vache! Faut vraiment que j'en fasse des unités. Qu'est-ce que vous foutez, vous? Vite, vite, vite. Ok. Le château de colline, faut vite le défoncer. Ok. Ça arrive. Vous serez la troisième armée. Et c'est pas simple, ils ont quand même pas mal d'unités. Toc, la troisième, attaquer le centre-ville, ensuite on va tout redécaler dès qu'on peut. C'est costaud un centre-ville. Hein. Allez, on se casse. Voilà. On se carapate. Ok, ok, ok. Ah, bah c'est deux. Alors, deuxième armée. Hop. On va essayer de refaire un petit peu des armées avant d'attaquer le sud. Alors, vous serez la première armée. Voilà. Vous. Vous serez la deuxième armée et la troisième, de toute façon, elle va être regroupée dans la deuxième. Bon. Ok. On va refaire quelques unités en plus. Ça va bien aller. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir déjà partir avec ça. Tu peux te déplacer toi, mais t'es rep. Bon, allez go, on y va, t'en fiche. On a plein d'unités. Merde, c'était pas les bons. J'ai pas appuyé sur le bon truc. 2, attaquez-moi ça. Les 1, attaquez-moi ce qu'il y a autour. Une explosion, s'il vous plaît. Faites-moi une bonne grosse explosion des familles. T'as fini? Ouais, non, mais. Voilà. Zatoyasque.
Ok, go, allez, ici. On va avancer tout doucement vers le sud. Ok, on avance. Je vais refaire des unités là-haut. Attends, j'ai pas assez de bouffe. Un comble. Allez, on attaque le centre-ville, c'est parti. Alors, on se protège un peu, un minimum quand même. Allez, go. Détruisez-moi ce centre-ville. Vous êtes plein d'unités. Vous pouvez défoncer. Ah mais il est là, l'amiral Jinhai. Oui, il va se faire défoncer de toute façon. Et le centre-ville aussi. Et bim! Plus de centre-ville. 21? What? Ça fait un peu beaucoup. Dans une autre vie, peut-être. Mais pas dans celle. Ok, la faille est un peu buggée. Les temps changent. Mets le cap à l'est, Chen. Vers le pays. Pas trop tôt. J'ai du sable jusque dans des endroits inavouables. Comme il est dommage qu'un homme aussi privilégié que l'amiral ait connu une fin aussi banale. Les grands hommes se voient au choix qu'ils font. Pas leur or, jamais. J'ai de la chance de t'avoir eu pour me guider, Chen. C'était très facile. Je me suis simplement contenté de suivre la piste. As-tu bien fait ce que je t'ai demandé ? Nous avons effacé toute preuve de notre présence en ces lieux. Bien. Il est temps que la flotte des trésors retourne au pays. Viens, et j'espère que personne n'en saura jamais rien. LOL, meilleure façon de se dédouaner au monde. Ok, bon bah voilà, on a fini la campagne. On a fini la campagne de la Chine, qui était finalement assez courte. Je m'attendais pas à aussi peu de missions. Bah finalement, voilà, 5 missions, ça, c'était tout ce qu'il fallait. J'espère que ça vous aura plu, ce petit retour sur... Age of Empire, il ne reste plus qu'un seul acte et ensuite on pourra dire adieu à la campagne de Age of Empire 3, qui était finalement assez longue, qui m'aura suivi sur 2 ans, à raison de petit acte par petit acte. C'était vraiment plutôt cool, en tout cas cette campagne-là était plutôt sympa, même si je la trouve un petit peu moins bien que les autres, avec un scénario un peu moins bien ficelé, un peu trop facile. Voilà, voilà, et puis des missions un peu chiantes aussi, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode et ce Let's Play vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, on se retrouve dans 4 jours pour un tout nouveau Let's Play. Je ne sais pas encore sur quoi, je verrai bien. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve, voilà, donc comme je l'ai dit, dans 4 jours. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde !